Partie 8. Bon, avec le piano, c'est quand même un petit peu plus agréable, hein. On serait bien d'accord. Oh, normalement, on commence comme ça d'habitude, et puis là, on est directement sur le jeu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les temps changent. Hein. Est-ce que là, ça va aller si j'éteins là? Allez. Ah non, ça merdouille, évidemment. Voilà, allez, on va laisser ça. Continuez, continuez. Bon, je me souviens où on en était, évidemment, le chapitre de Lucie. Toujours cette trappe qui nous pose souci, et avec le H dessus, et cette petite clé avec le Oméga, et nous ne savons pas où s'en trouve son orifice. On ne sait pas où est l'orifice de la clé, quoi. J'ai aucune idée de où ça peut se trouver. Véritablement. Pas beau vous mentir, aujourd'hui, j'ai pas trop réfléchi à la question. Donc là, on se retrouve dans le jeu. Je sais pas trop quoi faire, hein. Cette petite clé là qu'on va regarder encore une demi pour la millième fois, là, le Oméga. Bon, je crois qu'on a allumé toutes les loupiottes, hein. Le Oméga. J'aimerais bien regarder dehors. Bon. J'ai une petite clé d'Oméga. À mon avis, ça doit. Alors. Parce que j'essaye de dire plusieurs choses en même temps, mais c'est pas une bonne chose. Nous n'avons pas lancé encore le chapitre, le chapitre 3. Tiens, vous avez vu cette lumière, elle s'est éteinte toute seule, putain. On n'a pas encore lancé le chapitre. Bon, je suis désolé, mes petits amis, je suis bien navré, hein, mais on est en train de tourner en rond. Hein. Oh putain! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu ça? Avec quelle indélicatesse j'ai été pris par un espèce de comment ils avaient dit? Un fantôme, une espèce de poltergeist. Ah oui, vu qu'on n'a pas déclenché le chapitre, dès qu'on est en mode, bah, je veux dire, il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de monstre en jeu là. C'est pas Lucie, c'est pas Dolores, vu qu'on a terminé le chapitre. Et ben c'est une espèce de tentacule noir, là, dégueulasse, qui m'a remis à ma place. Peut-être le jeu qu'on a marre que je tourne. Même le jeu, ça se trouve, m'a mis sur la bonne piste. Le jeu a dit, ah ouais, Coco, là, ça fait 1 heure que je sais pas ce que tu fous. C'est là, faut que t'ailles. Moi je suis dans la catégorie low run, tu vois, il y a le speedrun, là c'est le low run. J'essaie de battre le record pour finir le jeu le moins vite possible. Il y a un Thaïlandais qui est devant nous, hein. Il l'a fini en 1 mois. Je persévère, je sais pas si j'arriverai à faire mieux que lui, hein, mais j'y travaille. Hein. En 1 mois, il l'a fini. Toutes les VOD sont disponibles. Il a fait ça en plusieurs parties, en une session, mais il l'a découpé en plusieurs parties sur YouTube. Tout est consultable, hein. Et c'est sur speedrun.com. On peut consulter la Saloron. Et il a été félicité par toute la communauté. 1 mois. Ah, vous voyez ce que c'est, hein, d'être seul et de jouer à visage. Comment je commence à avoir les fils qui se touchent. De pas savoir où aller. Si je construis une maison, je la construirais exactement comme ça. Comme ça, je la connaîtrais déjà de par cœur. Je sais pas comment faire. Je sais pas où aller. Je sais pas. La petite Marie, là.
Marie Jésus, tu peux pas m'aider? Je comprends pas. Moi, je veux bien faire des pas, des 100. Moi, j'adore les énigmes. Hein. Je suis fan de Zero Escape. Je suis fan de toutes ces conneries-là. Hein. Mais je vois pas, là. Là, je vois pas parce que c'est incohérent. Le briquet est vide. Et en plus, on a perdu un briquet. Bah, bravo. Bravo à la France. Moi, j'étais persuadé qu'on pouvait choisir son... Oh putain, regardez. Ramasser. Vous avez trouvé un cadre étrange. Oh mon dieu, vous avez vu? Alors là, je veux dire, vous êtes vénard, hein. Vous êtes tombé au moment où on a trouvé quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, on va le mettre là. Attendez, on a trouvé un cadre étrange. Ah, vous vous souvenez pas du lieu où... moi, je m'en souviens. Où il disait qu'il devait y avoir un cadre avant? Attendez, qu'est-ce que ça représente? Putain, on a trouvé un truc, mais comment voulez-vous qu'on... Et la porte qui se ferme, bordel de merde. Oh, ce jeu. J'allais faire une save, mais y a rien à saver. On a trouvé un cadre. Bah, le cadre, il faut... Putain, de quoi? De quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On peut pas être tranquille? On peut pas fermer la porte. Attendez, bon, déjà il y a progression. Putain, pourquoi je l'ai pas vu qu'il y avait un cadre ici? Bah, peut-être parce qu'il était derrière la chaise et que tout se ressemble. Moi j'ai toujours cru qu'il était là, le cadre. On aura envie de le mettre là, évidemment. Mais on peut pas. Je crois savoir qu'il y a un... On peut essayer de le mettre sur une tâche. Bon, ça c'est notre briquet qui marche plus. Allez, et maintenant je sais plus où sont les tâches. Non, il y en a une dans le couloir là. Moi j'ai souvenir. Ah voilà, déjà là, il y a de la tâche. Bon, on essaye de mettre le cadre. Vous ne pouvez pas l'utiliser ici. Ce serait pas un peu emmerdant? Bon alors là, Carla Bruni, là, carrément, là... Là, c'était même pas qu'elle était pas inspirée, c'est que là, elle était malfaisante. Se peindre un tigre dans l'herbe... Oula, quoi? Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Oh mon dieu! Fuyons! Oh putain! Bon, je crois qu'on a trouvé le trigger pour la partie 3. Oh là 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 là, je me suis tapé un frisson. Elle est plus là, la tâche? C'était où déjà? Attendez. Ah, les traces de pas. On va les suivre après. D'abord, on voit si la tâche est encore là. F5, évidemment. La sauvegarde du pauvre, vous savez. Oui, la tâche a disparu. On va faire ça pour toutes les tâches. Alors là, on a affaire à un espèce d'ectoplasme. Regardez-moi ça. Les pas s'arrêtent. Ici. Ok. Bon, à l'étage, il y a de la tâche aussi. On y va. Il y en a deux. Bon, par contre, faut pas faire le con dans la direction où on se barre. Hein. Parce que là, c'est un cul-de-sac. Hein. Enfin, je crois. Ah non, on peut faire le tour avec la penderie. La penderie. Qu'est-ce que je raconte? Bonne penderie. Il y a de la musique maintenant. Qu'est-ce qu'on a fait de spécial? On a mis le tableau, en fait. On a fait rien de spécial.
Pourquoi c'est animé l'autre tout à l'heure? Ah, ça me rappelle chez mes grands-parents. Chez mes grands-parents, il y avait une horloge comme ça. Je l'ai peut-être déjà dit. Elle sonne toutes les heures. Mais même la nuit. Hein. Après, on l'entend plus. Eux, par exemple, ils ont été mariés pendant 70 ans. Bon, ils n'entendaient plus l'horloge. Hein. Rendez compte, 70 ans de mariage. Alors, impensable aujourd'hui. Hein. Bon, bref, et ils avaient une horloge comme ça. Ils ont. Quand on était gosse, à minuit, quand ça sonne 12 coups, ça fait bizarre. Hein. Et à 1h du matin et 2h du matin, dans une petite maison. Hein. Normande. Parce que moi, je suis normand. Après, bah, gosse, on avait les jetons. Et puis après, bon, on faisait plus gaffe. Comme quand on s'habitue à tout. Hein. Mais maintenant que d'y repenser, je me dis, c'était quand même un peu spécial. Bon, alors du coup, la tâche, que dalle, quoi. Désolé, hein. C'est un petit peu vulgaire. Et que dalle, quoi, la tâche. Là. Là, ça n'a. Ça n'a servi à rien, quoi. Pourquoi. Bon, les traces de pas ont disparu. Hein. Bon, on peut aller voir les autres tâches. Faut peut-être mettre le tableau. Moi, j'ai souvenir d'un endroit du mur. Alors, c'est peut-être où il y avait. Ah, je sais, maintenant j'ai peur. Ouais, c'est vrai. J'ai souvenir d'un endroit du mur où on pouvait accrocher quelque chose. Où c'était marqué, ah, autrefois, il devait y avoir quelque chose ici. C'est là hein, qu'il y a le bureau. Hein. Putain, oui. J'ai souvenir d'un endroit du mur. Je crois que c'était par là. Non. Ah putain. Compliqué, hein. Compliqué, compliqué. Mais non, mais n'importe quoi. Qu'est-ce que je fous dans le placard à balai, là? Comment ça aller dans le placard à balai, là? On a pas fini le jeu. Bon, il y a toujours l'option de redescendre. Mais bon, on n'est pas comme ça. Non, 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 non. On va essayer de se souvenir. Je crois que c'était par là. On a réussi à faire disparaître une tâche hein, quand même. Hein. Je suis pas fou. Bon allez, on progresse, on va voir. Peut-être que les tâches elles sont à faire dans l'ordre. J'en sais rien. Là il y a une tâche aussi. Interagir. Il y en a une autre là maintenant. J'ai l'impression d'être un demeuré là quand je parle, mais Elle y était pas là. Ah, éviter. Oui, non, mais ça je sais. Mais dans l'obscurité, de quelle obscurité tu parles? On est complètement sous la lumière. Elle est gentille. Ah, on peut encore se servir du. Tiens, pète-moi le tableau. Non. Bon, on progresse un peu quand même. Là, il y a eu la tâche. Il y a le tableau. On n'est pas non plus des nazes. Il y a du tableau là aussi, hein. Et là, ça va nous redonner ici. Oui, voilà, on s'en fout. On s'en fout complet. Oh là, oh là, oh là, très mauvaise idée. Quoi, quoi, quoi? Là, il y a de la tâche. J'en arrive à faire des choses que je ne comprends même pas moi-même. Il m'intrigue. Si on pouvait se mettre à une bonne lumière, voilà. Où il y a de la bonne lumière, voilà. Là, on peut pas devenir dingue, là. On est d'accord. Qu'est-ce qui représente ce tableau? Si on arrive à. Oula, oula, oula. Quoi, quoi, quoi? La porte s'est fermée? Oui, d'accord, mais j'ai pas de médicaments, de toute façon. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Oula. Oula, j'aime pas ça du tout. La musique, là, qui. Et la porte qui veut plus s'ouvrir? Oh là là, oh là là, en plus on a plus de médoc. Sent pas bon.
C'était ici, hein. On pouvait mettre des tableaux, non? Enfin, je sais plus. Là-bas, il y a une tâche. Toujours aller voir. Je sais pas ce qu'on a fait de on va encore se faire choper par derrière. Hein? Non, 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 non. S'il te plaît. Ah, c'est vraiment un jeu à énigme un peu ardu, hein. Vraiment, c'est démerde-toi, quoi. Hein. Là, j'en arrive à faire un peu comme Tale of Tentacle ou Indiana Jones, où on tente tout, quoi. Vous savez, les objets sur les point and click. Non, 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 redescends pas. Ah, voilà. C'est bon. Il est trigger. Putain, j'ai cru que j'étais chopé. Il veut pas s'ouvrir. Elle veut pas s'ouvrir la porte. Putain. Putain, mais on a eu un bol de fou, il est pas monté. Maintenant elle veut bien. Ou alors c'est moi qui suis complètement con. Oh là, attendez, attendez. On se met sous la lumière. On va aller voir si la tâche a disparu. Déjà on fait F5. Je sais pas si c'est une bonne idée de faire des sauvegardes alors qu'on a plus de médoc. Hein. Quoi, quoi? Qu'est-ce qui s'est éteint encore? Ah oui, mais on n'a pas de médicaments. La petite dame. Là, le jeu va nous faire chier jusqu'à temps qu'on trouve des médicaments. Hein. Puis la musique, elle est à peine stressante. Alors, on va regarder si la tâche a disparu. C'était par où? Voilà, c'était là. La tâche a disparu. Donc c'est bien ça qu'il faut faire. Il y en a une autre. Il y en a une autre qui se trouve là-bas. Je sais pas si c'est ça qu'il faut faire, hein, mais bon. On a pas... on a... vu le peu de choix qu'on a, on va pas faire les fines bouches. Hein. Non, c'est par là. Putain, la musique là. Y a pas une petite boîte de médoc là? Quelque part? Pour faire disparaître cette musique angoissante au possible. Ah, y a des traces de pas là? Non. Voilà, c'est là. Là, y a une tâche par là. Déjà, on va rallumer. Ah mais non, c'est déjà allumé. Quel enfer. On a des bougies. On va en mettre une là. Voilà. Et on va en mettre une là. Quoi? Allez, mais la bougie, sois sympa. Pourquoi il veut pas la mettre? C'est quand même fou, cette histoire. Bon, allez, on arrête de... on a, de toute façon, on garde la bougie, hein, vu qu'il veut pas la mettre. Ah voilà, le voilà. C'est bon, t'es trigger, là, mec? Allez hop, on se casse. Bon, ces petits joueurs. Quand on entend l'espèce de bruit là, je pense que c'est bon. Hein. On a le cerveau bien rond là. Je me suis planté de chemin, mais c'est pas grave.
je veux vérifier que la... Oh la vache. Ah oui, non, c'est le bitonio de là-bas. Le briquet est vide. J'ai plus de briquet. Comme ça, c'est réglé. Mais la tâche a disparu. Merde, non, surtout pas par là. Oh putain! Oh la vache, là. On a beau s'y préparer, ça doit être mon 20e sursaut de toute la partie, peut-être le 30e. On n'est jamais prêt. On n'est jamais prêt à ce genre de choses. C'est malheureux, hein. Terrible. Ah mon dieu. Bon, et j'allais dire qu'il était moins flippant que Dolores et Lucie, mais bon, dans son domaine, il excelle aussi, hein. Il y a un truc que je me demande, c'est que bon. Ah, ils m'ont remis ici? J'ai fait plein de sauvegardes. Bon, allez. On se plaint pas, on se plaint pas, on va directement sur les tâches. De toute façon, on sait quoi faire. Et puis c'est tant mieux parce que j'avais plus de médoc. On n'aurait pas pu finir. Ce que le jeu nous demande. Là j'ai vraiment fait le grand tour pour pas grand chose. J'ai le tableau au moins. Non mais j'ai même pas le tableau, putain. Bonjour madame, au revoir madame. Ah mon dieu. Il nous demande de reprendre le tableau. C'est un coquin quand même. Hein. Un cadre étrange. Ok. Ok, on a un cadre étrange. Je veux le... Ça c'est pour le regarder, ok. Y. Inventaire de merde. Examiner. Non. Déplacer. Ah oui, on peut déplacer. Allez, laissez, on laisse tomber là, c'est n'importe quoi. Non, ça sera un tableau qu'on ne pourra que placer quelque part. On va commencer par faire... on va aller à l'étage. On va faire on va faire dans l'ordre de la maison. Je dis ça et puis je prends pas du tout le bon chemin. Attends, elle a disparu la tâche ici? Ah non, elle est là. Bon, on fait celle-là alors. Il y a peut-être un truc à faire de spécifique. Pourquoi il apparaît des fois et pourquoi non? L'intérêt d'aller sur chaque tâche aussi. Moi j'ai plutôt l'impression que c'est des endroits où des conflits puis ils se pointent. Non, si on trouvait où on peut mettre le tableau. Regardez, on va aller là. Là où c'est safe, on va essayer d'inspecter ce tableau. Hein, minutieusement. On essaye de pas faire les cons là. Bon, voilà, on peut dézoomer. Bon, bravo, je me suis pile mis devant face de la lampe, on voit que dalle. Hop. Voilà, bon. Alors. Bon, là, ça c'est pas Carla Bruni qui l'a fait celui-ci. Hein.
C'est quoi? C'est une espèce de finition de carré. Je le mets dans l'autre sens. C'est un tableau, quoi. Bon, où on peut mettre un tableau? Alors déjà qu'on savait pas où ouvrir avec la clé, là de trouver un tableau. C'est moi ou il y a une tache au plafond maintenant? Ah oui, d'accord. Ça va être comme ça maintenant. Maintenant qu'on a pris le tableau, j'ai envie même d'aller tirer une balle avec le flingue pour qu'on ait un indice. Parce que bon, là, j'ai envie d'avoir un indice. Voilà, je vous le dis. Ça fait 1h23. Je suis quelqu'un de patient, mais bon, à un moment donné, j'en suis pas moins humain. Pète un câble, quoi. Bon, c'est où la pièce des indices? Ah, j'aimerais bien trouver par moi-même, évidemment. Putain, mais c'est fou, hein. Je suis passé des centaines de fois ici et je ne retrouve jamais la pièce où on se tire une balle. Elle est là. Alors, on va aller se tirer une balle. De toute façon, elles sont là pour ça. Hein. Il nous en reste 3, ça va. On en aurait utilisé 3. Il y en avait quoi? Non, il y en avait 6. Ça va, c'est pas. On coupera ça au montage. Les gens penseront que je l'ai trouvé moi-même. Encore un autre petit secret. Ce que j'aime bien, c'est qu'il fait. Tous les gestes sont très lents. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas ironique hein, ce que je dis. Dans la voiture, quand il prend le. Il avait pris le pic. Ah, bah oui, c'est comme ça que ça fait. Hein. Faut que les gens soient au courant. Oh, regardez. La lampe dans le couloir. Le tableau ici, ça là, je vois où c'est. Là, il y a le PQ. Là il y a une cassette. Oh putain. Il aurait fallu faire des photos, hein. Bon, faut qu'on se balade. Il y en a un que je vois où c'est. Il y en a un où je vois les autres. Bon, il y a une sauvegarde de fait, évidemment, vu qu'on s'est fait aider. Là, ça fait du bruit, là. Non, il vient que. En fait, ce sont des tâches, c'est pour nous faire peur. On va descendre. Moi, je sais où est l'espèce de gros truc, là. Après le truc avec le vase. Pardon, mais. Ah oui, voilà, c'est ça. On passe par là et puis voilà. Donc il est là. Hein. Je crois. Hein. Non, c'est même pas là. Pas du tout. Putain, mais arrête-toi cette télé de l'enfer. Elle est où la lumière là? Allez, allume, allume-toi, voilà. J'attends que la barre descende là, que je sois plus dans le rouge. Où est ce putain de chauffe-eau là? C'est une pièce qu'on va jamais d'ailleurs parce qu'on en a rien à foutre.
Oui, mais je sais bien, je suis au courant. C'est fou qu'ils nous mettent encore ces messages. Hein. Ce sera l'étage? Ah, c'est là. Non, c'est pas là. Mon Dieu. On va trouver, hein. Maintenant, on ne peut que trouver. Là, la plante. Non, mais fermé, c'était bien. Merci, Monster. Ça fait très plaisir. Merci à toi, mec. Thanks to you if you are English. Et merci à toi si t'es français. Ou francophile. Oh putain! Bon, là on s'est fait choper par juste une tentacule. Et par contre, ça m'a fait baisser un... ça m'a baisé un cachet, je crois. Ça m'a baisé un cachet. Et puis les cachets, quoi? On en a quoi? On a un, il nous en reste un, il nous en reste deux. Mon Dieu. Ouais, merci pour le follow. Pourtant là j'étais pas dans mes j'étais pas dans mon grand soir hein. Donc le follow tombe bien, tu me redonnes un peu espoir. J'essaye de me souvenir où se trouve cette pièce avec ce chauffe-eau. En plus on... Putain, j'ai encore ce putain de verre. On va s'en débarrasser tout de suite. On reprend un briquet, voilà. C'est fou, hein. C'est comme les tâches. Les tâches, je les ai vues 1000 fois. Peut-être à l'étage? Oh non. Pas l'étage, c'est pas l'étage. En même temps, il y a 4 endroits à aller voir. Donc, l'un dans l'autre. On sait pas ce qu'il faut faire, surtout. C'est ça mon plus grand souci. On a plein d'objets là, on a une clé, on a un tableau. Mais alors. Mais pourquoi? Non, c'est pas ici, c'est pas ici, c'est pas ici du tout, c'est pas ici. Puis même qui irait foutre un chauffe, enfin un bidon de. D'ailleurs, j'ai changé le mien l'année dernière. Ça m'a coûté 700 euros. 700 euros. Les mecs sont venus, c'était deux, ils ont ramené un truc en métal. 700 balles. Allez hop. Ah bah merci. Bah finalement, je vais peut-être pas me laver. 700 euros pour changer un truc en zinc qui doit coûter 10 balles en Chine. Bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple, les pauvres. Pas les mêmes conditions de travail. Non mais 700 euros. Bon j'arrête, hein, je m'énerve tout seul. Non mais là on tourne en rond. Où est ce putain de chauffe-eau? Je le vois tout le temps, je passe ma vie avec lui là. Suis convaincu qu'il est en bas. Il est en bas, il est en bas. Il est complètement en bas. D'ailleurs, c'est que c'est en bas qu'on met les chauffe-eau. Enfin, moi, ils m'ont fait payer 700 balles, ils m'ont pas mis en bas. Hein. Il n'y a pas d'en bas chez moi. Alors, excuse-moi, j'ai pas lu ton message. Bonsoir, mon ami, je m'appelle Julien. Eh ben, moi aussi. Je m'appelle Romain, mais mon deuxième prénom ça est Julien. Donc, tu vois, nous sommes liés par quelque chose. En plus du jeu vidéo. Excuse-moi si je ne vois que ton message maintenant, le chat est sur mon portable. Parce que mon Streamlabs est complètement sur le côté, j'ai pas les yeux dessus. Merci pour ton message en tout cas. Et excuse-moi pour le retard si tu l'as affiché depuis un petit moment.
Je suis à la recherche, Julien, de mon chauffe-eau. Alors, ce qui est terrible, c'est que c'est une pièce où je vais tout le temps, que j'en ai rien à foutre. Hein, autant dire les choses, autant être vulgaire. Mais alors, maintenant, je la cherche, je sais plus où elle se trouve. Enfin, c'est toujours comme ça. Toute la baraque pour trouver le chauffe-eau. Elle est là, elle est là, elle est. C'est une petite pièce, même qui fait du bruit, je vois très bien. Mais non, ça c'est les chiottes. Pardon. Les toilettes. On ferme pas, on ferme pas. Comme ça on peut toujours jeter un petit coup d'œil. Moi je crois qu'elle est là-bas. Hein. J'ai souvenir. Alors mes souvenirs, ils valent ce qu'ils valent. Hein. Mais je sais pas, j'ai souvenir que c'est là quoi. Sais pas pourquoi. Ou alors là. C'est là, c'est là, c'est là, voilà, c'est ça. C'est bon, on a trouvé un truc. Oh putain. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah bah dis donc. On avance. Mon Dieu, on avance. Bah d'accord. Ah bah alors là, j'ai le flash toujours? Non, j'ai rien, j'ai que dalle. Ah, je suis encore dans le... Je suis où? Je suis quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Interagir? Pas moyen d'atteindre la bouche d'aération, il y a peut-être un autre escabeau quelque part. Ah, l'escabeau s'est pété la gueule. Enfin, c'est cassé. Mais il y a une cassette. Putain, heureusement que j'ai pas loupé la cassette. Greed, ça veut dire gourmand. Et maintenant il y a une tâche ici. Maintenant elle y était déjà. Et on se casse, on se casse. On va aller regarder la cassette. Et on prend un médoc. Et hop. Justin, Justin, Justin. Et... Pas trop grid, justement, pas trop greedy sur les médocs, hein. Surtout à cette heure-là. Allez. On avance. On avance à reculons. Mais on avance. C'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. On passe par là ou par là, c'est pareil. Pareil. Bon, on va enfin pouvoir ranger cette. Enfin, en même temps, j'ai pas envie de la ranger celle-là, Pride. Hein. Je la garde sur moi. Hein. En tout cas, elle me prend pas beaucoup de place. On va mettre l'autre. Et j'ai vraiment pas de bol. Hein. Je reprends la même. Hein. C'est quand même hors violence. Hein. Ah, bah non, c'était la bonne. Allez, hop, on la met. On la met. Oh, on arrête de se poser cette question. Alors. Alors là, c'est une mère avec son fils. Je suis pas expert, mais. Donc, normalement, si on trouve un escabeau, on va pouvoir se faufiler là-dedans. Oula! Il s'est passé quelque chose, hein. Ah bah y a Coco, enfin comment je sais plus comment il s'appelle. Non, là c'était un corbeau, c'était pas le perroquet de Lucie, c'était un autre oiseau, c'était un corbac là. Elle a un sourire. Bon, ça tourne en boucle là. Ouais, donc il faut qu'on trouve un escabeau. Hein? Je vérifie bien que ça tourne en boucle, ouais. Allez, on éteint cette petite télé. D'accord. Donc il faut qu'on trouve quoi? Un escabeau ou une chaise? On est bien avancé. Ah, puis ils ont bien dit un escabeau, hein. Ils ont pas dit il faut que je trouve un moyen de... Non, 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 non.
Ils ont bien dit un truc que je trouve un escabeau. Pourquoi je me dis que maintenant ça va être ouvert. Non, évidemment que non. Un escabeau. Un escabeau, j'imagine que c'est au grenier. L'escabeau, on le range au grenier. Toute façon, dans ce type de jeu, quand il y a besoin d'un objet, il est toujours à l'autre bout de. Il est toujours à l'autre bout d'où on se trouve. Sinon, il n'y aura pas de jeu. Moi, j'aurais bien idée que l'escabeau se trouve à l'étage. On peut juste vite jeter un œil comme ça. Ah, maintenant c'est fermé ici. La balle à indice nous a montré plusieurs endroits. On a trouvé le chauffe-eau, mais les autres. On les cachetons. Ça cachetonne sec. Cachetonne sec. On le savait déjà. Baclofène, Xanax, anxiolytique, ibuprofène, c'est autre chose. Peut tout mélanger. Non. Non, 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 non. Bon, on redescend. Allez, accrochez-vous à votre slip, on redescend. Serre bien l'élastique. Hein. On est à la quête d'un escabeau. Oh putain, c'est pas un escabeau ça? Si ça, c'est pas un escabeau. Putain, on a trouvé l'escabeau. Vous ne pouvez pas placer cet objet. Qu'est-ce que tu me racontes? Je range mon appareil photo, je veux l'escabeau. Ah voilà, on a l'escabeau. En fait, il était pas du tout à l'autre bout de la pièce. Allez, on se magne. C'était où déjà? Ouais, c'est là. Putain, on avance à une rapidité là. Allez, on interagit. Déjà, non, non, on éteint rien du tout. On va mettre une bougie ici là. J'ai pas de bougie. Bon, alors comme ça, c'est réglé. Allez, on progresse. Ça, c'est depuis que, vous voyez, c'est depuis que j'ai été follow par Julien que la veine est arrivée, quoi. Que l'inspiration est là, vous voyez. Donc, n'hésitez pas à follow. Ça me donne des ailes. Alors là, carrément, on traverse. Je sais pas où on va atterrir. C'est le corbeau. Oui. Bonjour. Ah oui. Bonjour petit corbeau. Fuck you. Ah non. You don't give a fuck. Signer le contrat? Attendez, 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 attendez. Je pense que c'est le trigger pour faire la partie. Le dernier chapitre en fait. Hein. Allez. C'est parti. You don't give a fuck, ça veut dire j'en ai rien à foutre. Sing down below. Allez hop. C'est parti. On signe avec quoi? Bah avec le pen là, avec le stylo. Bon, je vous traduis pas sing down below. Hein. Signez juste en bas. You don't give a fuck, c'est-à-dire tu n'en as rien à foutre. Attendez, c'est quoi notre signature? Lucie? Oh là 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 là. On est Lucie? On est Lucie du chapitre précédent? Ah bah je comprends que tu te sois arraché la mâchoire, Lucie. Oh là 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 là.
Compliqué là, hein. Oui, mais moi je vais l'éteindre dans mon briquet, justement. Le briquet est vide, bon bah comme ça c'est réglé. Ça va faire une excellente capture, ça, hein. Ils sont en train de regarder quoi là? Pardon, excusez-moi madame. Il y a un petit oiseau qui est mort. Bon, le briquet on peut le lâcher. Hein. Excusez-moi. On a trouvé un morceau du masque. Vous avez trouvé un objet de progression, il sera dorénavant exposé dans la salle de progression. Bon, j'espère qu'ils vont... Effectivement, si maintenant, quand on trouve un objet de progression, c'est des gros bouts de masque comme ça, je comprends qu'on puisse compléter l'objet. Alors là, on est réapparu ici. On n'a plus de briquet, on n'a plus rien. Hein. Ah si, il nous en reste un. Mais avant, c'était pas ça ici. Bref. Ah bah non, c'était la pièce qui était fermée. Ok. Ok, il me fait une sauvegarde, c'est très bien. On éteint la téloche. Donc on a eu l'objet de progression. Oui, la télé qui se remet en marche. If you want. Je suis tenté de... On va reprendre le Nikon. On va remonter. Bon, non mais peut-être que maintenant on peut ouvrir la trappe avec la clé. Hein, soyez pas trop cons. C'était un des premiers trucs qu'ils nous ont demandé de faire. Et ils disaient qu'on pouvait pas faire maintenant. Peut-être que maintenant on peut le faire. Impossible de réaliser cette action pour l'instant. Non, il veut pas. Définitif, il veut pas. J'ai envie d'aller voir l'objet de progression. Je sais plus par où on passe. De toute façon, ça revient au même. C'est deux... Putain, à chaque fois, ça me fait peur, ça. De toute façon, c'est la même chose. Hein. À peu de choses près, on arrive au même endroit. Hein. Ok, donc là, voilà. Voilà. Bah non. Non, 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 non. On peut pas avoir peur, on peut pas avoir peur. On est dans le salon. Y a pas plus éclairé que la cuisine. Ils m'ont foutu les jetons là, les trois là. Enfin, les trois, ceux qui m'ont tourné autour là. Espèce de nuque. Talqué. Spécial, hein. Pourquoi pas, hein. Mais spécial quand même. Porterait pas de jugement, mais. Ils ont des mœurs particulières. Donc maintenant, quand on arrive ici. Voilà, on a le... Voilà, le masque est là. Alors putain, on n'aura jamais toutes les pièces. Regardez, il en manque 1, 2, 3, 4. Il en manque 4. Je vais pas souvenir. Bon. On résume. On a la clé. Oméga. On sait toujours pas qu'est-ce qu'elle va ouvrir. Mais ça se trouve, elle va nous ouvrir un truc dans 1000 ans. Le vinyle, bon, ça on s'en fout. Et on a ce tableau, voilà. Ça c'est un des derniers, c'est un tableau qui nous a été offert. Il se trouvait là, juste ici, là. Voilà. Je vais même vous montrer pour ceux qui viennent d'arriver. Voilà, il était là. Et tout le reste, on sait pas. F5. Petite sauvegarde du pauvre. Moi, je suis d'avis...
aller revoir les tâches, mais je pense que les tâches sont juste les portes du monstre en fait. Y a pas d'interaction possible. Putain, j'ai pas envie de me, j'ai pas envie d'aller retirer une balle, mais il y avait d'autres interactions qu'on pouvait faire, j'ai pas retenu. Hein. Je me souviens d'un vase, d'une salle avec un vase, avec une plante. Cette pièce-là, il n'y a jamais eu rien eu. Ça serait pas le moment là de faire un truc là quand même. Hein? Ce serait pas un petit peu le temps de te bouger le cul là, cette pièce. Et de nous faire faire un truc. Qu'est-ce que t'en penses? Non, ça c'est des quilles pour se mettre dans le cul, ça c'est complètement autre chose. Complètement autre chose. Tout autre concept. Non, rien à voir avec le jeu d'ailleurs. Non, il y avait, je me souviens, une petite table avec un peu comme ça, sauf qu'il y avait une plante et puis un peu comme on, un peu comme là quoi, un peu comme complètement ça même, mais sauf que le vase était blanc dans mes souvenirs. Mais bon, mais le souvenir, hein, vous savez ce qu'ils valent, hein. Pas grand chose. Voilà, un vase qui était comme ça. Exactement. Sauf qu'il y avait des fleurs. Alors, je vais pas vous mentir, les fleurs étaient pas terribles. C'était pas ce qu'on peut appeler un beau bouquet. C'est pas le genre de bouquet qu'on offrirait comme ça. Ou alors à quelqu'un qui en veut du mal, peut-être. À la limite. Mais sinon, non, non, non. Aucun intérêt. Non, mais alors là, ça c'est moi qui suis complètement con. Il y a pas la radio qui me fait flipper, c'est moi qui l'allume. Je vous le dis, hein, comme je le pense, je n'ai pas envie de retourner en bas. Pas parce que j'ai peur, c'est parce que je pense qu'on a fait ce qu'on avait à faire. J'ai envie d'aller inspecter en hauteur, parce que je pense que ce vase, ou du moins cette pièce, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait quelque chose. Qu'est-ce qu'on entend? Il y a encore une radio? Ah non, mais c'est la même radio. Bon, là, ça va être rééteint, j'imagine. Voilà, et je rallume. Bon, ça, c'est nos matrioshkas, hein. On n'en a eu que 4, hein. Terrible. Mais bon. Ça se trouve, il y a des joueurs. Il y a peut-être des joueurs qui n'ont eu aucune. Voilà, là, je pense que c'est bon signe. La porte se referme. Ah, y a bien quelque chose. Là, je suis vraiment autant dans l'autre. Dans Dolores et Lucie, bon, j'avais quand même un petit peu des indices sur quoi faire. Là, on arrive au bout du chapitre où même on n'a plus de médoc, on n'a plus rien, quoi. Enfin. Et on n'a aucun indice sur ce quoi faire ou si un tableau qui doit être placé quelque part. Mais le jeu est tellement salaud que ça peut être par exemple, vous voyez là il y a un tableau, et ben en face, et ben il y a une tâche, comme quoi il y a eu un tableau là, c'est là qu'il faut le foutre. Voilà, le jeu est de ce niveau-là, hein. Faut quand même que les gens soient au courant, hein, de la malveillance des développeurs. Hein. Bon. Je suis content, j'aurais fini le jeu sans me faire backseat ou. Mais quand même, j'aurais perdu des heures et des heures de ma vie. Hein. Certains d'entre vous le savent, mais ma femme m'a quitté. Hein. J'ai perdu mon emploi, mais ma femme m'a quitté hein, depuis que j'ai commencé Visage. Ça fait une semaine que j'ai pas éteint l'ordinateur. Alors, j'aime bien les jeux vidéo, mais ils me le rendent pas bien. Bon, la chambre de Lucie, hein, de toute façon, je pense que c'est de l'histoire ancienne, ça. Terminé. Salut, salut Tama. Salut mec. Comme tu peux le voir, nous sommes au dernier chapitre. Et on inspecte encore les tableaux de Carla Bruni.
Alors, toutes mes confuses, hein, si je vois pas vos messages en direct, c'est pas que j'en ai rien à foutre. C'est que mon chat est sur le portable. Et quand je suis. J'ai la tête dans le guidon, c'est-à-dire quand je joue, pas forcément le réflexe. J'ai vu sur tes vidéos précédentes. Ah bah c'est parfait. Si tu regardes les VOD sur YouTube ou sur Twitch, poseront 14. Ça me fait très plaisir. Comme ça, j'avais pas l'impression de les poster pour rien. Non, c'est cool. Bah oui, non, mais j'essaye de finir ce jeu. J'essaye de finir ce jeu, malgré le fait, je te le cache pas. C'est quoi le prochain game? Je sais pas encore. Je sais pas encore. Bon, je fais Dead Space en même temps, la Dead Space 2 en mode survival. Oui, c'est ça, survival. On va bientôt le finir, on est au chapitre 9. Mais après, je sais pas, j'essaie de trouver un truc très bien. Un bon jeu, quoi. Un jeu de PC. Je ne trouve pas, là. Je suis à deux doigts d'aller me retirer une balle. Dans le jeu, hein. Dans le jeu. Dans ma vie aussi. Hein? C'est difficile, hein, actuellement. Mais dans le jeu, pour aller prendre des indices. Mais il va me redonner les mêmes indices, hein. C'est ça qui me fait peur. Il va me redonner les mêmes indices. Là, si tu veux, où on en est, Tamar, c'est qu'on a une clé qui ouvre un truc, une clé qui a un symbole oméga. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle ouvre, évidemment. Et on a une trappe qui, elle, bien sûr, ne porte pas du tout le symbole oméga, sinon ça serait bien fait, trop bien, trop facile. Qui porte une inscription H, enfin, c'est une trappe, hein, voilà, communément ce qu'on appelle une trappe. Et mais qui n'a pas de levier ou que sais-je. Voilà, c'est tout. On a que ça comme indice. On a un tableau aussi. Un petit tableau, voilà, que je te montre. Voilà. Voilà. Alors, tu vois, c'est pas du Carla Bruni. Mais il y a quand même quelque chose du style. Enfin, surtout le cadre, en fait. En fait, c'est surtout le cadre qui est bien. Et alors, j'imagine, voilà, qu'il faut le placer quelque part. Et maintenant, dans la maison, il y a des taches. Voilà. D'où sort un espèce de poltergeist noir. Qui nous suit et qui disparaît. Et par contre, quand il dit chop, je peux te dire que bon, tu te chies dessus, quoi. Enfin, je veux pas être vulgaire, mais tout à l'heure, il m'a eu qu'une fois, je m'en souviens encore. J'ai pas envie que ça recommence. C'est pour ça que là, je suis un peu stressé, c'est qu'il me reste plus que. Au niveau médoc, j'en ai plus qu'un. J'ai plus qu'un seul médoc et j'ai l'impression que le jeu a. Éparpiller consciemment dans la maison une quantité restreinte de médicaments. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas d'autres qui repopent. Et je crois les avoir tous consommés. Parce que là, depuis tout à l'heure, je tourne en boucle. Enfin, en boucle. J'inspecte la maison et il n'y a plus de nouveaux médicaments, quoi. Donc là, on les a pas vus, ces photos. C'est pourquoi on les a pas vus. Ah, il y a un petit mot là. Acapulco, hôtel, with Claire. Ah bah. Merde, moi qui pensais avoir trouvé un truc essentiel. Et là, c'est Acapulco avec Jean-Louis. 1, 3, together. Attendez, hop. 3, 3 générations together. Ah. Donc, voilà. Bon bah ravi de le savoir. Hein. Moi mon fils arrive le 22. Vous voyez là pour ceux qui sont sur le chat. Nous sommes le 20, dans 2 jours je serai papa. Et pour me préparer à cet heureux événement, et ben je joue au visage. Histoire de me renforcer le mental. Après visage, on peut se dire que tout est beaucoup plus simple. La vie est beaucoup plus simple. Moins stressante. Non, je ne vois pas. Alors, je suis d'avis d'aller se retirer une balle. J'ai pas envie de décevoir ma communauté. J'ai pas envie de devenir fou moi-même. Donc, on va redescendre tout de suite. On va se retirer une balle pour avoir un indice. En plus, c'est fait pour. Donc, il n'y a pas de honte. Même si ça me fait chier de le faire.
Là, ça fait quand même 2 heures que je stream. J'ai trouvé deux trucs en 2 heures. À un moment donné. Bien gentil. Alors, même de retrouver la salle où. C'est ça qui est terrible, hein. C'est que même de retrouver la salle où il y a le flingue devient un problème. Voilà, c'est là. C'est ici. On va ça. Je crois qu'il nous reste que 2 balles. Hein. Donc ça. Imaginez la fin du jeu. Hein. On n'a plus de médoc, on n'a plus d'indice. Et ce qui me fait. Non mais ce que j'ai très peur, c'est qu'il va me redonner les mêmes indices. Donc mémorisez bien. Hein. Je suis à 2 doigts de faire une vidéo. Hein. De ce qu'ils vont nous montrer. Allez, c'est parti. Davai, comme disent les Russes. Ouais, je vais faire F5. Ah, F5 avant? Trop tard. Trop tard. Bien vu, mais trop tard. J'ai pas lu. Ah, je peux toujours lâcher. Mais bon, allez, non, on joue le jeu. Ah, bah oui, ça surprend. Alors, regardez, l'escalier. C'est la salle de bain. Ça, c'est la chambre des parents. Bah, c'est carrément la chambre des parents. On y était. Oh, il y a une vidéo sur la chaise. Oh, putain, c'est. Ouais, ça fait. Vous vous rendez compte quand même de ce jeu quoi. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui pop aléatoirement. Moi j'y suis allé 15 fois là en 2 heures dans la chambre des parents. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas de vidéo. Hein. Je vais même vous confier quelque chose. Juste une fois que je serai sorti. Je vais vous confier quelque chose. De vous à moi, je suis convaincu que le jeu regarde où tu vas. Et après, pop, dans la pièce où t'as pas été. Exprès pour te faire chier. Il y a un algorithme qu'ils ont dû concevoir je ne sais où. Hein. Certainement dans une base en Alaska ou, je ne sais, ou que sais-je, je ne veux même pas le savoir. Un algorithme où tu vois, il se dit, tiens, il était dans la cuisine, fais popper la cassette dans la chambre des parents. Il a été dans la chambre des parents, fais popper la cassette dans la cuisine. Là, on rentre dans des sphères de développement de jeu, vraiment d'une malveillance, j'ai rarement vu ça. Moi, le jeu, mais le jeu est formidable, donc on pardonne. Toujours pareil, on est trop gentil. Bon, ce qui est bien, c'est que je sais quand même où est la chambre des parents. Ah, c'est bien connu, c'est toujours le jeu le problème. Et la manette. Et la manette. C'est le jeu et souvent la manette. Et ben la cassette, elle est pas là. Alors, non, mais alors. Quand je vous parlais de malveillance, là on atteint des sommets. Vous êtes bien d'accord qu'ils m'ont dit qu'il y avait une cassette ici. Ah vous êtes. Ouais, là c'est le jeu. Là, bon, c'est pas la manette, c'est pas moi. Là il y a quand même un problème. Un souci là. Moi je veux bien, pourquoi pas. Alors peut-être qu'il est dans le tiroir. Vous savez bien comme moi que ça ne sera pas du tout dans le tiroir. Vous le savez, je le sais que vous le savez, et vous savez que je sais que vous le savez. Tu confirmes. Ah, c'est quand même un petit peu spécial, ça, ce jeu qui te. Bon, non. La bouteille, à chaque fois, j'ai l'impression que je trouve un truc essentiel, et puis en fait, bon, y a rien du tout, quoi. Ah, c'est quand même curieux. J'ai perdu un indice pour un indice trompeur. C'est un bug? Non mais j'en viens à douter de tout là. J'ai pas eu de bug dans le jeu. Bon, non non j'ai pas eu de bug. J'ai eu des fois bon l'inventaire qui merdouille mais c'est parce que c'est mal conçu. Enfin je veux dire c'est l'early access. Mais j'ai pas eu de bug. Il y aurait eu un bug là? Je confirme, tu dois tout refaire. Attends, mais tu me mets un smiley à la fin, c'est pas possible. Oui. Tu me fais peur. Non, 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 non.
C'est quand même dramatique, là, à ce niveau-là. C'est quand même dingo. On a claqué une. Déjà que j'avais honte. Déjà que j'avais honte. Je le dis, j'avais honte de regarder un indice, parce que j'aime pas faire ça. On peut le faire 6 fois dans le jeu. Donc là, c'était la 4e fois. La première fois, en plus, je savais même pas ce que c'était. Donc à la limite, j'ai même pas voulu le faire la première fois. Il y a une balle, ça m'a montré d'aller quelque part, mais j'allais y aller. Enfin, c'était le premier chapitre, donc ça m'a même pas aidé. Je savais même pas qu'il y avait un système d'indices. Mais alors là, de dire qu'il y a une cassette alors qu'il n'y en a pas, elle est tombée. Et peut-être qu'il a pas eu le temps de la mettre, le fantôme. On était plus vite que lui. Ou alors je me trompe de chambre. C'est peut-être moi qui suis complètement con. C'est la chambre de l'autre. Ça se trouve, c'est la chambre là-bas. Ah, ça va me faire marrer si la cassette elle est là. Je peux vous dire que ça sera dans le best-of. Hein. Mais non, il n'y a pas de chaise ici. C'est pas là du tout la même. C'est pas agencé pareil. C'est pas là. On n'est pas du tout au même endroit. Ah, il y a une Ah, il y aurait la cassette là, ça m'aurait bien fait marrer. Bah, j'aurais préféré même. Non, non, il n'y a rien, il n'y a rien. On est paumé, le jeu veut qu'on reste là toute notre vie, quoi. Et ben il est tombé sur mauvais cheval, le jeu, parce que je vais pas lâcher l'affaire. Alors ça me fait marrer, ça, qu'il n'y ait pas la cassette. Puis en plus des chambres, il n'y en a pas 100 000. Il n'y en a que 3. Y a un bureau. Allez, on va regarder dans le bureau. Mais c'est même pas le même. Si avant, il y avait un autre bureau ici, quand on passait par la... Par la, par la fenêtre, par le miroir. On brisait le miroir, on pouvait passer dans une espèce de bureau où bah, le mari, autant dire les choses, s'était fait poignarder et tuer. Hein, voilà. Ah, c'est pas un jeu amusant, hein. C'est pas pour les enfants, hein. Là, pareil. Tiens, il n'y aurait pas eu un tableau ici autrefois? Parce qu'il faut quand même que je me souvienne qu'il faut que je trouve aussi un emplacement pour mettre un tableau. Tiens, genre là. Ah non, il y a déjà un tableau. De Carla Bruni, bien sûr. Non, mais là, je suis à deux doigts de faire une save et de relancer la save pour être sûr que c'est pas un bug. Cela, je trouve ça quand même très très curieux. Ce que vous en pensez, mais. À moins qu'il y ait quelque chose. Porte qui se referme au moment où j'arrive. J'avais pas allumé. Non, la cassette est. Il y a eu quelque chose affiché. Faut peut-être mettre une bougie. J'en ai pas. On n'a jamais eu besoin de mettre de bougie avant. Ouais, je teste le reload. Mais attends, je me mets pas dans la pièce. On fait comme si on savait pas. Ah ouais, salut. Je referme. Je fais une petite save. Non, parce que là, c'est quand même très très curieux, cette histoire. Charge est partie. Dernière sauvegarde automatique. Ah, je suis désolé. Je suis désolé là, mais. Oh. Ça me paraît curieux. Curieux, cette histoire. Je vous épargne le écran titre, on l'a déjà vu tellement de fois. Plus sympa de regarder mon chien. Lui, il est content, lui. Du moment qu'il a son flingue dans la bouche, on fout. Qui est la cassette, qui est pas la cassette, pour lui, c'est la même chose. Bon. Ah bah attendez, la dernière sauvegarde automatique, il me remet là? Ah par contre, on a une bougie. Bon, on y retourne. En tout cas, ça a bien rechargé. Mais c'est curieux, j'ai même pas fait la sauvegarde automatique ici. Ça me fait peur, hein. J'ai en mémoire quand tu m'as dit faut tout refaire. Curieuse cette histoire. Allez. Elle n'y est pas, évidemment.
suis même à deux doigts de me dire que ça n'a pas. Attendez, déjà on allume là, on allume, on allume, on allume, on allume. C'est bon, c'est allumé? Petits éclairages ici, hein. On va mettre la bougie. Ils nous ont refilé une bougie. On peut tenter. De toute façon, on tente la bougie. Mais j'ai pas de briquet. Ah si, j'ai eu dans ma main. Non, parce que je regardais mon inventaire. Putain, mais une fois qu'on aura fini le briquet, là, comment on fait? Bravo. Parce que dalle, je récupère la bougie. Changer de main. Oui, mais on s'en fout. Voilà. Il est où mon briquet? Il est là. Non, je garde ma bougie, c'est la dernière qui me reste. Ça n'a strictement rien fait. Ah non, mais moi, c'est le depuis 3 VOD, j'ai une malédiction avec le jeu. Je ne trouve pas le premier truc, je. Attends, croyez-moi bien. J'ai quand même un peu l'habitude de ce genre de jeu. Mais là, franchement, le coup de la cassette qui est pas là. Je suis même tenté d'aller voir. Genre, il y a eu un bug et puis elle a été se replacer. Indifférence, négligence. On peut la foutre là, voilà. Celle-là, on l'a vue. Non, c'est complètement. Je sais pas quoi. C'est ça, voilà. C'est ça qui est agaçant, c'est que je. Là, vraiment. Encore une bougie. J'ai l'impression que le jeu, là, a compris que j'étais con. Donc il me redonne des bougies, il me redonne des médocs. L'algorithme vient de saisir qu'il y avait, problème. Il y avait dit. Non, c'est les photos. Qu'il y avait difficulté. Ah, puis là, vraiment, mais alors vraiment, autant avec Babadook dans le chapitre 2. Bon, j'ai tourné en rond pendant 2 heures, mais bon, je voyais à peu près ce qu'il fallait faire quand même. Même si j'étais dans le flou. Autant là, vraiment, je sais pas. Je sais pas. Je sais qu'il y a des taches, je sais pas. Alors, vous allez me dire, ça pigmente. Hein? Je sais que vous pensez ça. Ça pigmente la partie. Ah ouais, mais. Putain, mais c'était là! Ça, c'était une partie une image qu'on avait vue. Parce que tout à l'heure, on a regardé une vidéo, il y avait un pot de fleurs blanc avec une fleur comme ça. Puis là, vous entendez là? Il y a un truc à faire ici. Je suis à deux doigts de me demander si le coup de l'escabeau et tout a été pris en compte. Hein. Je vais aller vérifier. Que ça à foutre. Ça y est, je deviens vulgaire. On a que ça à faire. J'allume plus mon briquet, j'ai plus que celui-ci. Y a pas de briquet dans les petits tiroirs. Ils nous ont mis des tiroirs partout, plein de choses à ouvrir et tout, et puis. Moi, j'ai peur que le stock d'éléments à utiliser. Merci bien. Peur. J'ai peur que le stock soit limité dans le jeu des ingrédients. Enfin, des ingrédients, des éléments. Allez, on retourne voir. Attends, l'escabeau, c'était là. Si l'escabeau est plus là, c'est bon. Attendez. Oh la vache. Compliqué. Hein. Ça se ressemble tellement. Non, l'escabeau est plus là, donc c'est bon. On a. J'en suis à essayer de. À prendre la boussole. Peut-être que ou le baby call. Non, ça c'est pour la. C'était le chapitre d'avant. On était avec Dolores. Dolores a récupéré son gamin grâce à nous. Et puis voilà.
Voilà ce qui s'est passé. Et le baby call, il faut qu'on le lâche, quoi, on s'en fout. Non, sinon, bah, il reste le grenier. Je veux quand même regarder s'il a... Putain. Pourquoi il veut pas prendre la boussole? Voilà, c'est vraiment des... J'allais dire des coquins, mais... L'ampoule, on s'en fout. Ça nous a jamais été utile, une ampoule. On peut prendre la boussole, voir si la boussole réagit à quoi que ce soit. Non, la boussole est complètement dans les choux. Non, 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 elle tourne. Quand elle faisait ça, déjà, c'était n'importe quoi. Allez, hop, on s'en fout. On garde le pied de biche. On va aller au grenier. On va aller au grenier. On va aller au grenier. Voilà, c'est tout. Je vois que ça, de toute façon, là, à faire. Je veux bien vite fait tenter d'ouvrir la trappe avec le pied de biche maintenant qu'on a lancé le chapitre. Mais alors vraiment, ça serait tiré par les cheveux. Non, voilà, ça marche pas. Ça marche pas, ça marche pas. Non. Bon, c'était par acquis de conscience, hein, véritablement. J'y croyais pas. Hein. Bon, je regarde autour de moi, hein, parce que... Peut-être que je passe devant l'endroit où il faut mettre le tableau. On va aller au grenier. En plus, pour ceux qui connaissent pas, ça va faire une petite visite. La clé, elle ouvre pas la cage au pigeon. Non, de toute façon, on peut rien faire. Je me souviens plus du nom du pigeon. Enfin, c'était pas un pigeon, c'était un perroquet. Un nom rigolo. Le grenier, c'est facile, il est juste là. Pourquoi tout est éteint? Bon. Par contre, on sait pas. Vous avez vu ça? Allez, on se casse. Ça veut dire qu'on est sur le bon. On est en train de faire la bonne chose. Il vient ou il vient pas? C'est bon. Il t'a mis un message, la boussole est dispo. Oui, j'ai vu. Mais il le fait à chaque fois maintenant. Ça, c'est quelque chose que je maîtrise. Dès qu'il y a un objet essentiel, que ce soit la masse, le pied de biche, la boussole, si on le pose par terre, pour qu'on puisse le retrouver facilement, il le met dans la salle de stockage. Donc, à mon avis, on était... pour qu'il apparaisse, ça veut dire qu'on est, on est bon, quoi. Alors, l'idée, c'est d'ouvrir ça. Mais si on l'ouvre là, bah on est bloqué. Donc on va aller l'ouvrir, certes, mais de l'autre côté. On allume tout, hein. Parce que moi, je commence à connaître leurs histoires. Voilà, alors on va rouvrir le grenier. Alors je sais pas de gaieté de cœur que je retourne là-haut. Hein. Hein? Bon, tout est bien. Mais bon. Il y a des cadres, peut-être que notre salut se trouve ici, hein. Je regarde bien tout, hein. Je suis désolé, mais là, j'en suis là, hein. Là. Là, on en est là. Vous inquiétez pas, je vais y aller à droite. Déjà, quand il apparaît, ça veut dire qu'il nous empêche. Hein. Faut se mettre dans la place des développeurs. Ils ont fait ça pour t'empêcher de progresser. Donc, c'est plutôt bon signe, en fait, que le monstre apparaisse. Bon, ça, on a déjà récupéré ce qu'il y avait dedans. Mais je crois même que c'était... Non, c'était pas la boussole. C'est autre chose. J'ai très peur de perdre mon briquet. Hein. Très, très peur. Bon. Il y a un truc d'écrit? Interagir. C'est marqué interagir. C'est une vieille chaise à bascule. Non mais c'est ça l'interaction, non. Quelle bande d'enfoirés. Ah non!
À chaque fois que c'est marqué interagir depuis le début du jeu, c'est quand on progresse. Là, interagir, c'est juste pour nous dire ça. C'est une vieille chaise à bascule, mais je sais que c'est une vieille chaise à bascule. Tu crois que je suis... J'ai l'air si con que ça? J'ai l'air si con que ça? Le jeu me crache au visage. Il insulte mon intelligence. C'est une nappe. Interagir, c'est un tableau. Ah, j'hallucine. Mais en plus, sachant qu'on est déjà venu ici, jamais il m'a dit que c'était une chaise à bascule. Évidemment que c'est une chaise à bascule. C'est le principe, c'est de se mettre dessus, puis ça bascule. Très agréable d'ailleurs, hein. C'est pas le problème. Oh là là. Alors moi, tu vois, si j'ai un jour un tableau, je mettrai pas ça. Hein. Oh la vache, vous avez vu la photo? Qu'est-ce qui se passe? Oh, le coup de bol! Mein Gott. Vous avez vu ça? Et alors maintenant il y a une main? Mais alors qu'il n'y a aucune raison de regarder le tableau, hein. Je veux dire, je suis passé devant des vingtaines de fois. Et maintenant il y a une petite main. Et qu'est-ce qu'il y a? Faut qu'on fasse un check? Non, bah non. Et alors? C'est curieux, hein, ce jeu est fou. Ceci est une main, oui, interagir. Et la lampe qui... Bah, de toute façon, il n'y a pas de lampe. Pourquoi ça s'arrête? J'allais dire, faut réallumer. Ah, il me dit peut-être de descendre. C'est curieux, hein, ce jeu est vraiment curieux. Bon, je redescends, hein. Hop. Et maintenant, il y a la cassette? Pas du tout. Penses-tu? Oh, cette histoire de cassette. Je suis quand même intrigué. Hein. Après, quand j'aurai avancé, j'irai voir sur Internet. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible qu'un jeu te donne un indice et puis... Enfin, ils le mettent pas, quoi. Je pense que c'est un bug. C'est pas possible. Et là, le coup du miroir? Ah, j'ai pas compris. De toute façon, voilà, le troisième chapitre, je sais pas s'ils sont dans l'ordre. Je pense qu'on peut les faire dans l'ordre qu'on veut. Mais si on commence par ce chapitre-là, mais alors on n'y comprend rien. Parce que moi, il y a quand même des trucs que j'ai compris en ayant joué au jeu avec les premiers chapitres. Mais là, tu commences par ce chapitre-là, mais il y en a des gens qui rage quittent. Enfin, qui arrêtent tout, quoi. Tu sais pas de quoi, de qui, de qu'est-ce. Tripant, hein. Moi ça me passionne là. Là on arrive dans des sphères du jeu vidéo où ça me passionne, c'est-à-dire qu'il faut absolument que je le termine maintenant. C'est une mission. C'est quasiment une mission. C'est christique. Là, il faut le terminer quoi. C'est comme ça m'a fait ça la dernière fois. Bon par contre c'était chiant. Avec Broken Porcelain. Voilà, Rimosaur Broken Porcelain, et à un moment donné, j'étais fou de rage, hein. J'avais envie de casser la table en deux, c'était impossible, buggé, c'était... Je l'ai terminé. Je fais partie des rares, il suffit de regarder les trophées sur le PlayStation, personne n'a fini le jeu. Moi, je l'ai terminé. C'est une médaille après. Attends. Voilà, c'est ce genre de trophée. Mais alors là, il faut que je le termine sans soluce. Sans jamais regarder rien. Ça prendra le temps que ça prendra. Je vais me retrouver à moins 1000 viewers. Mais on aura terminé le jeu. Ma femme m'aura quitté, j'aurai perdu mon job. Mais j'aurai terminé le jeu. Ah là, véritablement, là, j'arrête de dire des bêtises, mais je ne sais vraiment pas quoi faire. Hein.
Là, c'est quand même très très complexe. Je tourne en rond. Hein. J'ai eu un espoir avec la main, là. Enfin, le tableau. Vraiment, hein, j'ai eu un espoir. J'ai cru que ça allait débloquer quelque chose. Alors, peut-être que c'était quelque chose à faire. En tout cas, on l'a fait. Mais alors, sinon... je sais pas. Utiliser objet clé. C'est bien le bouton A pour utiliser. Hein. Non, je peux pas l'utiliser ici. Alors, ça se trouve, c'est une évidence pour les autres joueurs. Et dès qu'ils ont eu le tableau, ils se sont dit, ah bah oui, il faut le mettre là. Mais alors. En même temps, le jeu est tellement photoréaliste, quelque part, c'est que. Y a rien qui t'accroche le regard pour te dire tiens on pourrait le mettre là. Tout est si bien déjà agencé. Ce qui est terrible c'est que cette tâche-là j'avais réussi à la faire disparaître. Le monstre était sorti mais je sais pas ce que j'ai fait. J'avais rien fait de spécial, j'avais essayé de mettre le tableau dessus. Et puis le monstre était venu. Et puis la tâche avait disparu. Alors pareil, voilà, je sais pas pourquoi. Aucune idée. Les enfants, hein. J'ai pas envie de vous gâcher votre vie non plus. Hein. On a tous des choses à faire. Mais là, vraiment... Non, je vois pas. Hein. Ça me fait exactement comme la partie d'avant où vraiment là, je voyais pas. J'ai fini par trouver, mais en perdant 2 heures de ma vie, quoi. Là, ça fait déjà 2h25 que je stream. On a rien fait. On a retrouvé un escabeau. Et on a trouvé une cassette. En 2h25. Quoi? Ah oui, non. Après, on devient dingue. Juste le truc de pouvoir ouvrir la porte, t'as l'impression que ça y est. Non, puis c'est pas faute vraiment de regarder, quoi. Enfin, je veux dire, je me mets à la place d'un joueur débile. Bon bah c'est pas possible, il peut pas jouer quoi, il va rien comprendre. Le genre de base débile. Call of quoi, allez on dit les choses. La call of, genre juste du kill, du frag. Il fout là-dedans 10 minutes. Oh putain on peut ouvrir ça? Ah mais c'est tout! Oh les enfoirés, j'ai cru encore que j'avais trouvé quelque chose. Bah ce joueur-là, tu le mets là-dedans, bah bon, il te crache à la gueule. Il te crache à la gueule. On peut ouvrir aussi là? C'est vachement bien. Enfin, c'est vachement bien. Non, c'est pas vachement bien, mais je veux dire... Ah, et du coup, on peut voir l'arbre qui est sous les éclairs. On s'émerveille du peu après, hein. De peu après, hein. Genre, à la limite, on va trouver les assiettes jolies. Dans 3 heures, les assiettes, on les redessine, on les trouve jolies, quoi. ça fait plus de lumière, du coup? Peut-être, hein. Je me rends pas compte. Mais du coup, le jeu en devient fascinant, parce que quand on trouve, qu'est-ce qu'on est content? Ah, il y a un truc ici. Hein. Moi, sur la cassette vidéo. Oh putain, regardez. Ramassez. Vous avez trouvé un cadre étrange. Vous avez vu la violence du jeu? Assis-toi sur le siège. Non, non, mais il peut pas. J'ai déjà essayé. Vous avez vu la violence du jeu, ce cadre-là, on pouvait le prendre. Mais pas l'autre.
Donc c'était bien là, c'est... je savais bien que j'avais vu cette plante sur la vidéo. Et du coup on peut mettre l'autre? Non. Non plus. Faut faire une collection de tableaux? Bon bah si c'est comme ça là on se met à la recherche des tableaux hein. Là c'est bon, là j'ai compris. Parce que moi je cherchais un endroit pour mettre les tableaux, mais si c'est une chasse aux tableaux, bah, c'est pas ce qui manque hein. Bon c'est des tableaux spécifiques hein, c'est pas des tableaux de Carla Bruni déjà. Bah on avance là. Sans le vouloir maintenant c'est bon. Enfin c'est bon, après je sais pas ce qu'on va faire avec les tableaux. Mais au moins on a un but. C'est comme dans la vie. Quand on n'a pas d'objectif, on se lève le matin, on est de mauvaise humeur. Quand on sait qu'il faut aller nettoyer la voiture, bon, la journée est plus belle. Enfin, je dis ça, moi j'ai pas le permis, donc... Ça me parle pas, quoi. Mais j'imagine. Oui, de deux. Non, non, on va trouver l'autre tableau. Ah bah maintenant, là je suis en chasse. Ça y est, le loup est lâché là. Regardez, en plus, ça se trouve, ça va être ici. Regardez-moi ça. Et voilà, je l'ai. Ah bah oui, maintenant ça y est. Parce que je suis pas dit. On croirait pas comme ça, mais je suis pas idiot. Juste, je veux savoir ce qu'on me demande. Je savais bien qu'il y avait un tableau là en plus. J'avais souvenir que derrière la petite Marie, il y avait un tableau. Bon, du coup, on en a trois là. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire? Ça se trouve, faut les placer sur les tâches pour faire disparaître la bête. J'inspecte vite fait. Hein. Donc là, on en a un autre. Moi aussi, je suis scripté. Oui, c'est exactement ça. Moi aussi. Mais le script est lancé là. Il y a eu le trigger. Bon, là on y a été, hein. J'imagine qu'on a pu. Ah, on a le droit d'y retourner. Non. Non, on n'a pas le droit. On a le droit de monter sur l'escabeau. Faut pas trop en demander. Hein. Mais on n'a pas le droit. Non, par contre, on peut pas redescendre. Ah, si. Je regarde partout. Oui, moi aussi je suis scripté. Bon, on peut plus rouvrir ça. Bon. Je réessaye la clé, mais on sait très bien qu'elle marche pas. Hein. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui se posaient la question dans le fond. J'essaye de mettre un des tableaux pour voir. Celui-ci ne marche pas. Celui-ci ne marche pas. Celui-ci ne marche pas. Pour voir, hein. Peut-être que ça aurait condamné à tout hasard. Voilà. Il y a du tableau là. Voilà. Tu vois que... Eh ben voilà, vous avez trouvé un cadre étrange. On les a tous là, hein. Eh oui, une fois que. Une fois. Parce que j'ai quand même des souvenirs de cette baraque. Donc j'essaye de. Après, c'est une question de probabilité aussi. C'est les pièces où j'ai pas été. Bon. J'ai un peu des souvenirs de me dire, tiens, il y avait un tableau à l'envers ici. Enfin. C'est de l'inconscient quelque part. Donc là, il en. Moi j'avais calculé. Tiens, j'avais même pas vu que là qu'il y avait. Ah non, c'est rien. Non, puis j'ai peur de perdre tous mes followers. Donc là, j'active. Tout à l'heure, vous avez pas vu, quand j'ai dit que j'allais faire pipi, j'étais me prendre 2 grammes de cocaïne. Hein. Non. Absolument pas. En fait, j'ai la soluce. En fait, j'ai imprimé la soluce sous les yeux. Et puis dès que je vois que je perds des followers, putain, je trouve un tableau, tu vois. Je trouve un tableau, je fais avancer l'histoire. J'ai la soluce sous les yeux en fait. Non, non. Donc là, à mon avis, moi j'ai souvenir qu'il y avait 5 endroits. Parce qu'en fait, on a regardé, on s'est tiré une balle, il nous a donné un indice. Et je crois qu'il y avait 5 tableaux. Hein. Comme il y a 5 tâches. Mais bon, ces tableaux-là, à un moment donné, il va bien falloir les mettre quelque part. C'est ça qui me fait peur. Le seul endroit où on n'a pas trouvé de tableau, et c'est là où on va aller, c'est à l'étage. Donc,
Le cinquième doit être là-haut. Déjà, on peut regarder. Cinquième doit être là-haut. Derrière la cheminée. Derrière, tiens, on peut allumer ça. Voilà. Peut-être par là. Genre. Non. Pas de tableau ici. Elle y était de... Ah, le briquet est vide. Ah bah putain, si on n'a plus de briquet. On va être bien. On va jouer au gamma à 100%. Elle y était quoi? J'ai pas, je sais plus à quel moment t'as posé la question. Là, y a pas un tableau. Elle y était tout en bas. Quoi donc? Qui donc? Là, on peut s'asseoir, mais ça sert à rien. Je vous le dis, voilà. La béquille? Je comprends pas. Je comprends. T'as décidé de me prendre dingue avec le jeu. Comme le, avec le jeu. Quoi? Elle y était tout en bas à l'entrée, la béquille. Pourquoi tu t'intéresses à la béquille? Déjà. Thomas. Enfin, Tama. Peut-être que tu t'appelles Thomas. Pourquoi tu t'intéresses à la béquille? À l'entrée de la maison, j'ai vu une béquille. Oui, mais il y a une béquille. Et alors? On peut aller la voir, hein? Ah, il y a une béquille là. Pourquoi? Oh putain! Prendre cette chauve-souris lancera un chapitre. Vous ne pourrez pas commencer d'autres chapitres. Non, mais c'est d'une. Oh, mais bon. Tu le savais? T'as été voir la soluce? On accepte évidemment. Mais comment voulez-vous savoir que la béquille, c'est le début du chapitre? C'est-à-dire que le chapitre était même pas démarré depuis tout à l'heure. Ah, oh, tu le savais pas. Mais pourquoi t'as pensé à la béquille là comme ça? Ça m'intéresse. Chapitre de Rakan, les yeux inconscients. Ah, parce qu'elle y était pas avant. Ah, mais moi j'ai toujours vu la béquille. J'ai pas fait gaffe. Il y a tellement de trucs partout. Ça veut dire qu'on avait même pas lancé le chapitre, quoi. J'avais. On avait. Oui. Ah, ça veut dire que là maintenant toutes les clés sont cassées. Lucie nous avait fait ça avec les interrupteurs. Elle avait pété tous les interrupteurs. Ce qui veut dire quoi du coup? Il y avait un sac là, le sac jaune là au sol, ouais. Et ouais, tu te souviens qu'il Et tu te souviens qu'il n'y avait pas de béquille? Bah putain, bah moi je m'en souvenais pas du tout, hein. Vraiment. Donc du coup, on a la béquille, on a lancé enfin le chapitre. Alors maintenant, ah ouais, c'est une handicapée. Allez, bah là du coup, tout va aller très vite. J'ai déjà les tableaux, j'ai déjà tout. Bah merci à toi pour ton observation, parce que là franchement la béquille, je l'aurais jamais regardé. Hein. Le pointeur il est épais comme un pixel. Jamais j'aurais foutu mon pixel sur la béquille, je suis passé 1000 fois devant. Ah on doit se balader dans la maison avec la. Bien vu à toi, Tama. D'une grande aide. Merci. Ah bah oui, là, c'est pas simple. Ok. Là, on est en mode handicapé. Alors, je peux en parler, puis je peux faire des blagues, parce que moi, j'étais dans un fauteuil roulant pendant... Ah non, on n'y est pas. Pendant au moins 6-7 mois. Hein. J'ai eu un grave accident quand j'avais 20 ans. C'est pas drôle.
Chaque fois que je croise quelqu'un qui est dans un fauteuil, j'ai toujours une petite pensée. Bah, surtout pour ceux qui y restent. Pas drôle hein, d'être cloué là-dessus. Oula, c'est lui. C'est lui, Rakan? Ah, c'est lui qui picolait? Non, il a l'air de boire de l'eau. Mais c'est une maison où il y a eu plusieurs habitants, c'est ça, hein? Parce que j'arrive pas à faire le lien entre tous ces habitants. Ah oui, voilà, maintenant ça ressemble plus du tout à ce que c'était. On est en mode script là, hein. Ouais. C'est verrouillé, rien n'indique quelle clé est nécessaire. Ah bah j'ai plus d'objets. Bon, comme ça c'est réglé. On reprend à zéro là. Même pas sûr que ce soit la même baraque. Non mais du coup après là tout va s'enchaîner hein. Qu'est-ce qu'il fait? Moi aussi j'ai peur. What the fuck is this? Oh, it better not be what I think it is. You fucking bastards. What is this? Who the fuck are you? Bon. Bon, c'est la cuisine. En fait, c'est une maison où il s'est passé plusieurs choses différentes, voilà. Parce que là, les lieux ont changé, hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Bon. C'est pas le jouet qu'il voulait. C'est la même maison, mais deuxième génération avant. Ouais, voilà. T'as raison, je pense. C'est ce que je pense aussi. Une sorte d'évolution. Ah bon, on voit que c'est pas lui qui range. You think you can get me that easily, huh? Nice try, you fucks. What the fuck do you want, huh? I'm right here. Ah bah d'accord. Il est parti? Il est parti, Sharakan? On va l'appeler Sharkan. Ça me rappelle mon enfance. Bon là on peut pas y aller. Non. Enfin je dis non. Alors j'insiste hein, parce que le jeu est tellement space. Que des fois c'est non, puis des fois c'est oui. On peut vraiment pas y aller. Oui, on est en mode VHS là. On est dans le passé. Pas trop mal fait d'ailleurs. J'imagine qu'il va falloir descendre. Par contre là on voit qu'on est plus jeune parce que comment dire? Putain. Non c'est fermé. Pour courir, les développeurs eurent la bonne idée pour bien montrer qu'on n'est pas la même personne ou qu'on est plus jeune. On court beaucoup plus vite. Putain. Foutu les jetons. What? Please, stop! No! Bon d'accord. C'est inutile à présent. Quoi donc? Ah oui, on n'a plus rien là. Hein. On n'a plus que le flash. Ok. Donc là on a déverrouillé l'histoire de Sharkan. Qu'est-ce que tu m'as dit? Le jouet dans le paquet de céréales. Oui, bah j'ai pensé à ça quand tu m'as dit ça, mais toi aussi t'as pensé que c'était un paquet de céréales.
Bon bah maintenant ça a bien changé hein. Bon c'est pas mieux maintenant le mec il picole à la bière. Non non il avait l'air d'être plutôt sain en fait. Il est juste un petit peu nerveux. Du coup, alors on récapitule. On a des tableaux. Peut-être que maintenant on peut aller ouvrir. J'y crois pas, hein. Mais on va essayer. Vu que il nous disait pour l'instant. Pour l'instant. Bon, ce qui est bien, c'est que je retrouve vite maintenant. Limite, on retrouverait l'autre tableau. Enfin, ça se trouve, il y en a 4. Hein. Des fois, dans les jeux vidéo, c'est que 4. D'ailleurs, oui. C'est un peu malheureusement ça. Non, de temps en temps, je. Alors, on essaye. Non. Il veut toujours pas. Il veut toujours pas. Oh, puis j'ai pas envie d'utiliser une balle, hein. Il m'en reste plus qu'une. Hein. Bon, et maintenant qu'on a débloqué le chapitre. Ce qui est chiant, c'est qu'on a visité la maison pour rien. Juste parce qu'il fallait, voilà, fallait aller sur la béquille, vous rendez-vous compte. Moi, la béquille. Vraiment, je pensais qu'elle était là depuis le début du jeu. Et puis même, vous le voyez, vous, le pointeur, là, au milieu, là, sur votre écran, là? Vous le voyez même pas. Il y a un pixel, c'est le pointeur. C'est ça qu'il faut mettre pour détecter les objets. Regardez, là, il faut vraiment que je le mette sur l'ampoule. Alors, sur l'ampoule, ça va, parce que je peux m'approcher. Il devient beaucoup plus gros. Mais quand c'est quand on est loin et que c'est un petit truc fin comme une béquille, mais à distance il le chope pas quoi. Tu vois, tu le vois pas toi le pointeur, bah ouais, c'est un pixel. Allez, 4 pixels, parce que c'est une grosse. Ramasser, oui non mais ça. Non mais je veux pas ramasser la bière, non n'importe quoi. Bah, pas boire de la bière, pas le moment de boire de la bière. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? On a trouvé la béquille, voilà, mais à la base, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais monter. Ouais, la béquille là, franchement, pas vous mentir. Est-ce qu'il y a encore les tâches? Bon, ça on peut. On entend quelque chose là. Oula, 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 oula. La porte est vorée, l'œil dessus semble en vie. Ah bah oui. Évidemment qu'il semble en vie. Salut. Tu veux une clé? Tu veux du tableau? Bon, au moins, voilà, il y a un événement nouveau. Je savais bien que j'avais entendu de la musique. Flash-le. C'est pas con. Mais je pense que les objets des autres... on va le faire, hein, mais... Les objets comme la boussole qui appartenait au chapitre précédent, et comme là, le... Ça, c'était pour le chapitre 2. Ils n'ont plus d'incidence. Bon, par contre, je le garde. Quoi? Et là, regardez là, ici. Putain, heureusement que j'ai regardé. Ça fait disparaître l'œil là? Oui. Putain, vous... Ouais, en même temps, bon, ça, à la limite, ça, on pouvait le trouver. Mais bon, j'aurais pu très bien pas le voir. Hein. Alors, c'est l'histoire. Il a fini en fauteuil roulant, le mec. Ah.
Ah bah là on a de l'éclairage là pour le fond vert, c'est bien là. Dr. Smith? Dr. Smith? Yes, sorry, I'm with you. I have the information you requested concerning the patient that came in tonight. He claims that someone broke into his house and tried to strangle him, and that he used his firearm in an attempt to defend himself. What's weird is that there's nothing in the police report that indicates any break-in. There are some minor bruises on his body, but they all seem self-inflicted. The police also interrogated the neighbor who called the police. She claims to have seen him tossing books from his bookshelves frantically, seemingly searching for something. And what was he searching for? It's hard to tell. He refuses to answer most of our questions, claiming we already know the answers. He believes we're partly responsible for what happened. It's not really surprising. I took a look at his medical background, and he's had really bad cases of... scopophobia. Exactly. Hmm. Thanks, Tim. I'll go and see him right away. Of course. Scopophobia? He'll be in the transit wing, room 323 until further notice. He seems agitated. So be careful. Thanks, Tim. Duly noted. Scopophobie. C'est la peur des magnétoscopes? C'est quoi? Ah, on est dans la fameuse pièce qu'on voyait sur la cassette vidéo. Avec l'ordinateur, où je pensais que c'était une espèce de laboratoire. Bah, en fait, comme une chambre d'hôpital, quoi. Avec bon, sauvegarde. On a enfin progressé. Hein. Mon dieu. Très bien. Bon, on n'a plus de briquet, on n'a plus rien. Hein. Là, ça va être au petit bonheur. C'est un peu sombre pour vous. Vous voyez ce que je vais faire? Je vais aller dans options et je vais rajouter un tout petit peu de luminosité. Un peu de gamma. Voilà. J'aurais dû le faire depuis un petit bout de temps. Voilà, pour vous, ça va être un tout petit peu. Voilà, ça reste sombre et ça reste bien. Et vous avez une meilleure ambiance. Vous voyez ce que moi je voyais. C'était un peu sombre hein, quand même avant. Puis en plus là j'ai plus de briquet donc. Moi ça me casse un peu l'immersion, mais ça va encore. Parce que moi c'est beaucoup plus clair. On a l'hôpital. Oui d'accord mais. J'ai ramassé? Qu'est-ce qu'on ramasse? Ah j'ai ramassé. J'ai ramassé une chaise. Bon je vais la mettre là, peut-être qu'on aura besoin après. Je rentre pas, je peux pas, je vois pas, j'ai pas de briquet. Call to employees. Code white in room 323. Code white in room 323. On visite un peu quand même. Hein? Ouais, c'est l'idée de courir un peu plus vite parce que la personne est plus jeune. C'est tout bête. Mais ça donne un indice sur le personnage. C'est bien vu. Bon. Toujours ces putains de lampes hein, qu'on voit depuis qu'on est gosse dans les séries américaines. Hein. Hein, les avocats, les juges, ils ont tous cette lampe là. Pas d'où ça sort. Alors que dans la vie, la vraie vie, jamais personne n'a une lampe verte comme ça. Hein. J'en ai jamais vu, nulle part. Mais à la télé, mais des milliards. Parce que c'est cette espèce de complot là. Sur la lampe verte. Ils ont tous passé le mot pour mettre une lampe verte dans leur série, dans leur film. Alors que personne n'en utilise. Ils ont peut-être un business avec un fabricant. On peut prendre toutes les chaises. Ça ne sert à rien aussi. Peut-être qu'à un moment donné, il va falloir empiler des chaises. Ikea, ouais, ils ont un business avec Ikea. Et tous les films, c'est le même fournisseur. Ah, Tama, tu l'as déjà vu cette lampe verte, hein? Elle est dans tous les films avec l'avocat, le juge. C'était 323, hein? Y'a quoi, y'a une bière? Ah bah une bière dans un hôpital, bravo. Ah bah bravo.
Je regarde les tableaux, hein, parce que maintenant qu'on est devenu expert. Bon, c'est pas du Carla Bruni, hein. Nous on est habitué à Carla Bruni. Hein. C'est moins inspiré là. Ah, of course, bah oui, tu vois, tu l'as déjà vu plusieurs fois là, cette lampe. Bon, ça de toute façon c'était les toilettes des dames, je me serais pas permis. Là quoi, on est revenu. Tiens, bah la voilà. Cette fameuse lampe verte. Bon, là elle est pas allumée donc elle est pas à son. Enfin, on peut pas bien la voir. Non, je regarde un peu. Alors, 303. Ah, 303, 302. Oui, mais non, nous on veut aller dans l'autre sens. Ah non, 301. Alors, 301. Ah oui, c'est comme les noms, c'est comme les rues. Et, c'est d'un côté puis de l'autre. Ah, 301 aussi. Bon, bah, comme ça, c'est réglé. Alors, 300 à 308, c'est par là. Hein? Interagir? Pas moyen de l'ouvrir. Merci bien, madame. Bon, là, on va pas lire quand même les comptes rendus, hein. Donc, c'est par là, normalement. 300 à 308. Bon, les toilettes des hommes, on aurait le droit d'y aller, mais bon, on n'a pas envie. On va pas se forcer non plus. Ah, non, c'est 308. Mais tout est complètement désordonné. Comment voulez-vous travailler dans ces conditions? Quoi, cet hôpital? C'est là où on s'est réveillé, hein. Je sais déjà plus. 301? Non, elle a dit 303. 301, t'es sûr? Merde. Bon, merde, c'est 308. Il y a même pas de... Oui, en plus. De toute façon, l'hôpital, il va pas être très grand. On va retomber dessus. Là, c'est fermé, donc ça peut pas être ça. Le storage. Ça fait un petit peu Resident Evil. Silent Hill. 304. Moi, j'avais compris 300... Non, pas 303. Non, c'était pas un chiffre rond. Toi, tu dis que c'était quel chiffre? C'est 300. On peut aller là un petit peu. Même si on voit que dalle. Vous devez rien voir du tout. Moi non plus, hein. Mais dans le rien du tout, j'y vois un peu. Tama, tu te souviens pas du chiffre de la chambre? Il est un peu tard, hein. Il est quoi? Il est 2h du mat. Je sais que c'est 300 quelque chose. Bon, en même temps, c'est tous des 300. Alors, ça va être celui-là. Allez, c'est celui-là. C'est 302. Allez, on dit que c'est celle-là. Ça m'arrange. Attends, ouais, voilà, t'es au même point que moi, quoi. On va dire que c'est celle-là. Ça fait un peu Metal Gear Solid 5, vous vous souvenez du début? Hein? Quand il faut se planquer sous le lit. Et puis qu'on se disait, oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est lent. Bon. On retombe sur les chiottes, très bien. Non, bon, on va accélérer le pas. Bon, je suis convaincu que... Tout à l'heure, on est... 301, 308. Mais de toute façon, tout est tellement dans le désordre que j'ai aucune confiance dans l'indication des panneaux. Je vais y aller au feeling. Bon, là, il va me dire qu'on peut pas l'ouvrir, voilà. On sait te connaître. La chaise, on sait très bien qu'on peut la soulever. Ah, 309 à 325. On peut pas l'ouvrir. Le fauteuil roulant? Il y a eu un fauteuil roulant. Ah oui. Ah oui, on peut rien faire. Bien vu, mais... Ah, il y a une cassette. Non, c'est pas une cassette, c'est un livre. Non, mais tout... On se perd en conjecture. Il faut... Voilà, 311.
Non. Ça devient de plus en plus glauque par là. Ah bah voilà. Vous entendez les bruits de pas là? Pas la même ambiance. De toute façon, on va tout faire. Ah, celle-ci, on pourra l'ouvrir. Mais j'ai plus de clé. On se souvient. Alors, on se souvient. La 323, elle est ouvrable avec un inventaire. Alors, peut-être que les autres l'étaient aussi. J'ai pas fait gaffe. Celle-ci aussi, remarque. Au bout du couloir, il y a la 321 et la 320. 321 et 323. Donc il faut qu'on trouve les clés. Objet requis, clé 323. Et puis bah là aussi, j'imagine. Ah non, là il dit rien. Ok, bon, il faut qu'on trouve la clé. Mon dieu. Bon là on peut pas y aller hein. J'y vais à reculons. Voilà, non c'est terminé. Ah, en fait c'est parce qu'il y a des bouts de verre que ça fait ce bruit. Normalement les clés elles sont à l'accueil. Hein, il y a une petite dame là qui a un petit bonnet blanc sur la tête. Et qui te dit bonjour, voilà, voilà genre là quoi. Et qui te dit bon c'est pourquoi. Voilà, c'est ici qu'on va trouver la clé. C'est pourquoi, oui, oui, votre grand-mère, elle est là. Ouais, voilà. Et qu'est-ce que je vous disais? Allez, c'est laquelle qu'on a? La 323. Ça, c'est de l'expérience de vie, c'est avec un mélange de déduction. Bon. Call to security. Code white. Emergency in room 323. Code white. Emergency. Don't you dare touch me, you fuck! Giving us much of a choice here, sir. Seize him and give him the sedative. Now, get off me! Fuck off! Ah, ils l'ont enfermé quoi. Et il y a eu bagarre. Non, ça c'est pas scripté. Là, on peut passer là. Là, il va y avoir cassage de briques. Là, je vous préviens, il va y avoir cassage de briques et incursion dans la chambre de notre camarade. Ex-camarade. Vous pourriez probablement casser le mur avec le bon outil. Ah, j'adore quand il commence un truc et qu'il s'arrête. Oui, effectivement, avec le bon outil, je pourrais probablement casser... Vous savez quoi? On va s'arrêter ici. Je suis fatigué là. Il est 2h du mat. Comme ça, on a un objectif pour demain. Je commencerai à streamer vers 10h30, 11h. Et sinon, je compte faire le Dead Space dans l'après-midi. Demain, Dead Space 2 dans l'après-midi. Et puis vers 10h30, 11h, on continue Visage, qui est très très bon, hein, qui est excellent. Je remercie Tama d'être passé, je remercie ceux qui nous ont, les curieux qui étaient là, ceux qui sont passés ce soir. Et puis, je vous embrasse et puis je vous dis à demain. Je suis claqué là, je suis fatigué. Allez, à plus. Born corrupted.
says I do not believe in original sin. However, I have been corrupted by life, by circumstance, and by my own foolishness. And that is what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. These things trouble me the most. I want to be pure, but I fall so short. Corrosion, rust, death, and failure haunt my every breath and step, and yet I live and write while corrosion bites. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die